été. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de vos belles fesses en homme, alors qu'il paraît de l'inconscience. On ne balaye pas chez nous, on ne balaye chez eux. On est fiers d'être bantou, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On cultive tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni ta rage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le sabotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton autre qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Walk sur nous, on de la douce, on fait quelque chose pour toi. C'est ça le grand Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chaton dit avec sa part de l'aider. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de la réclame de petits bouboutous. Dans leur peu de pouvoir et ils te traitent comme un boubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop tôt, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu ne penses même pas à Paul Biya, tu connais Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, là, un char, tu ne vois même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Comme bien tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il puisse sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Nisiban, Nibo, Nibano, Nibo, comme Baniban, Nibo, Nisiban, Nibo, 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 Nibo
À vous poser. Uno Cameroun, je commence par le nom. Uno Cameroun, quand on intronise le Lamido, le Sari, c'est-à-dire la maison où on va initier le Lamido, est-ce que l'État néocolonial a interdit tout le septentrion? En d'autres sortes, on appelle ça généralement un droit sacré. Vous allez vous rendre compte que le Nord Cameroun garde ses sites sacrés. L'État colonial, l'État néocolonial ne touche pas. Au contraire, l'État néocolonial valorise. À l'Ouest Cameroun, chaque petite forêt est la forêt sacrée. On ne touche pas. Au Nord-Ouest, pareil. Sud-Ouest, pareil. Bon. La question que je vais vous poser maintenant,
après vous avoir dit ça, pourquoi on a mis la croix en gros, tout bas? Ce que vous ne connaissez pas, tous les peuples de la forêt se retrouvaient en Gorituba pour prendre le message de l'année prochaine. Tout tournait autour de la culture. Lorsqu'il y avait une mauvaise récolte, tout le monde se retrouvait en Gorituba. Écoutez ce que je vous dis là. De Garoua Boulaye jusqu'à Makinéné, chaque peuple de la forêt, de la zone là, a envoyé quelqu'un en Gorituba pour avoir les messages. Qu'est-ce qu'on a dit à la grotte de Gorituba? L'état néocolonial, avec sa branche religieuse d'endormissement de l'esprit, ce qu'on appelle l'église catholique romaine, ils ont couru. Allez mettre la croix là-bas. Bah, en gros, du tout. La question que je vous pose, pourquoi le seul lieu sacré des peuples de la forêt est banni? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ce que je vous dis là, je veux que vous ouvrez vos yeux. Vous arrêtez de vous comporter. Moi, quand j'entends les gens me parler de vivre ensemble, là, je ris. Je ne parle pas. Parce que ce que je connais, c'est au-delà de la République. Les choses que je connais là, ça fait mal, hein? Très mal. Il y a certaines personnes qui blaguent. Il y a des gens qui voient ce qui est en train de se passer en France. Le soi-disant dialogue entre les entrepreneurs africains et le président Macron. Ça, c'est pour les naïfs. Les beaux discours. Des traites. Vous pensez que le blanc entrait en forêt pour arrêter les esclaves? Non, mes chers amis. Non. C'est les noirs. Le blanc restait à la côte. Parce que lorsqu'un étranger arrive dans le village, les marchands d'esclaves sillonnaient le village. Ils partaient voir les chefs du village. Tu n'as pas de gens récalcitrants dans le village? Et le chef du village pointait le doigt sur tout ce qui lui désobéissait. C'est pour ça que les marchands d'esclaves se mettaient à ta poursuite. Votre esprit s'ouvrira le jour où la croix de Gorituba tombera. Vous allez voir vous-même.
Parce que quand je parle les gens blancs, les gens pensent que ce que j'en ai dit là, c'est de la fabulation. Je refais une parenthèse en direct. J'espère que la famille Inchari, la famille Njoya va comprendre le message que leurs ancêtres leur envoient. J'ose croire que la famille Njoya va comprendre le message. Ils auront la capacité de l'interpréter. Njoya est mort, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années le sultan a suivi? Si ceux qui vont rester vont continuer à faire la guerre, vous savez bien que le salaire de la guerre, c'est la mort. Je ne vais pas trop dire sur l'origine du problème dans cette famille, mais je dis tout simplement que ceux qui sont restés en vie doivent interpréter le message. La paix dépasse tout. La haine, c'est la mort. Tu vas être content que mon ennemi est mort. Mais tout en ignorant quand lui meurt comme ça, ta part est bel et bien terminée. Parce que tu n'auras plus un adversaire qui te permettait de rester avec tous tes sens éveillés. C'est pour ça que les impérialistes, lorsqu'ils ont dit qu'ils avaient fabriqué un ennemi qu'ils ont appelé l'Union soviétique, lorsque l'Union soviétique est tombée, ils ont fabriqué un autre ennemi qu'ils ont appelé l'islamisme. Je ferme la parenthèse. Je reviens à notre sujet. Tout ce que les peuples de la forêt avaient comme puissance organisationnelle, ça se traitait en Go-Ituba. Aujourd'hui, quand tu dis ça aux gens, ils pensent que Go-Ituba, c'est juste un endroit qui est réservé au peuple Bassa. C'est ça, lorsqu'on a effacé la mémoire des gens. Quand la mémoire des gens est effacée, les gens pensent que c'est ce qui est là maintenant qui est réel. C'est pour ça que quand tu poses à un enfant de la forêt le nom de ton grand-père, il donne. Ton arrière-grand-père, il donne. Arrière
arrière-grand-père, il ne connaît pas. Arrière-grand-père, il ne connaît pas. La mémoire est effacée. Ce n'est pas de sa faute. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une chose que vous devez savoir. C'est que quand je parle de ça, et je vois le comportement des élites, on est en train de nous faire une guerre larvée. Les élites pensent qu'ils seront épargnés. Dès qu'on a assassiné le petit Congolais qui avait trouvé le remède du paludisme, cette semaine, à la télévision anglaise. Oui, vraiment de Dieu. On a trouvé le remède du paludisme. Le vaccin contre le paludisme. Vraiment de Dieu. Une prouesse. Comme ils sont hésitants pour prendre le vaccin de la COVID, on va du coup trouver le vaccin du paludisme. On nous aime beaucoup. Ils nous aiment beaucoup. Ils pleurent nous tout seuls. C'est bien. Et sauf que nous, les Africains, continuons et les Amériques où nous sommes, le Canada, les États-Unis, c'était peuplé au même titre que l'Afrique. Les Inuits, les Indiens, les Apaches, tout, ils ont été exterminés. Et vous croyez que c'est vous qu'on ne peut pas exterminer? Ils nous adorent tellement. Sont allés en Nouvelle-Zélande. C'était peuplé de Maorais. On a exterminé tous. Ils ont atterri en Australie. Ils ont trouvé les aborigènes. Massacrés tous. Il n'y a qu'un seul continent qui continue de résister. L'Afrique. À l'heure actuelle, le allié favori à l'heure actuelle, c'est l'élite africaine. Nous, on n'a que la bouche pour dire ce qu'on dit là. C'est pour ça que vous allez, vous voyez, je vous dis bien, tous les peuples de la forêt, tant qu'on ne va pas libérer Ngo Itoba, vous allez heurer. L'État néocolonial va vous faire ça dur. Très dur. Il faut toujours vous poser la question. Pourquoi dans la Sanaga maritime, on nomme exclusivement, et dans le nom Ikele, les prêtres Bassa? Parce que il y avait un gardien du temple à Goldoba, il y avait un gardien. Vous savez, nous avons un prêtre
Nous avons eu un prêtre dans l'Umbam, un Bafia, du nom de Patrice Nukabiaba. Un prêtre. Celui qui était le premier à dire que quand lui lit la Bible et il voit ce que Monseigneur Loucheur fait, il n'est pas en train de lire la Bible, il n'est pas en train d'enseigner la Bible. Si c'est la même Bible que Monseigneur Loucheur a, parce que Monseigneur Loucheur c'était l'évêque diocèse de Bafia. À l'époque, à cette époque, la messe se faisait que en exclusivité de la langue de la prière. C'était le latin. Il fallait venir voir nos grands-pères et nos grandes-mères. Comprenez même pas ce qu'il récitait. Il faut vous rappeler de ça. Que la messe, c'était en latin. Interdit de faire ça dans nos langues. Oui. C'est les Américains. Qui eux, quand ils sont arrivés, sont commencés à évangéliser en boulou. Ils ont adopté le boulou. Lorsque le prêtre Patrice Nuka se révolte contre ça, 80% des chansons religieuses que vous entendons chanter la Mbafia, c'est lui l'auteur-compositeur. 80%. Lui, il a donc commencé à faire la messe en Bafia. Le jour où, le dimanche où c'est Patrice Nuka qui va faire la messe, l'église sera remplie. Les gens dehors, ils suivent à la fenêtre l'évangile. Parce que les gens comprennent ce que Nuka Patrice dit. Monseigneur Loucheur a écrit à Amadou Ahidjo que le prêtre Patrice Nuka est en train de organiser des réunions de rébellion. On arrêta Patrice Nuka, on jeta en prison. Il a fait Douala, la prison de Douala à l'époque, c'était à Mbopi. Les cellules. Il a fait Tcholoré. Il a fait Mentum. Il a fait la prison de Yoko. Donc on a passé le temps qu'à lui balader. Non seulement ça, Patrice Nuka, lorsqu'il était en train d'étudier au grand séminaire de Yaoundé en Volier,
Monsieur Vogt, Monseigneur Vogt tomba malade. Il tomba malade, de la tuberculose, quelque chose comme ça. Enfin, une maladie contagieuse. Tous les prêtres de Vogt abandonna Vogt. La seule personne qui avait le courage d'entrer dans la chambre de Monseigneur Vogt, d'enlever ses draps, aller laver, changer les habits de Monseigneur Vogt, c'est Patrice Nouka. À cette époque, ils étaient avec les gens Zoua. Quand Monseigneur Vogt voulait mourir, il a pris, l'a ouvert, il a dit à Nouka, ouvre mon tiroir là. Il a ouvert son tiroir. Et donne-moi le sac là. Il a pris le sac, il a donné à Monseigneur Vogt. Monseigneur Vogt ouvre le sac. Il sort du sac une bréviaire. Donne la bréviaire à Patrice Nouka. Et à Patrice Nouka, personne ne pourra la prendre. Si on te la demande, tu poses par terre. Le concerné qui te demande prend. Tu as compris? Cette bréviaire, le Vatican a tout fait pour récupérer la bréviaire. On a excommunié Patrice Nouka, on a interdit. Écoutez-moi quand je vous parle. On a interdit les bafias de devenir encore prêtres. C'est récemment que les bafias ont commencé encore à être prêtres. C'est bien de prier. C'est une très bonne chose de prier. Mais, lorsque tu connais le nom d'Abraham, Isaac, Jacob, Deutéronome, Esaïe, Timothée, l'autre, Jean-Baptiste, Elisabeth, Sarah, vous retenez ces noms. Mais vous êtes incapable de me donner le nom de votre arrière-grand-père. C'est vous le problème. Apprenez à faire cet exercice. Tu demandes à ton père. Mauricio, je ne suis pas correct comment? Non, Mauricio, si tu vois ça comme ça, mais Mauricio, non, Mauricio, le problème, c'est que tous les lieux sacrés au nord ne sont pas touchés. Les lieux sacrés à l'ouest ne sont pas touchés. Au nord-est ne sont pas touchés. Au sud-est ne sont pas touchés. Le seul lieu sacré des peuples de la forêt, je dis bien le seul lieu sacré des peuples de la forêt, c'est Ngok Ituba.
Je le dis. Je dis le seul. Les gens qui ne connaissent pas. Moi, on m'a initié, on m'a fait asseoir. Je ne peux pas vous dire ce qu'on a fait. Mais moi-même, parfois, je reste comme ça, je dis que, mais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je vous dis, le seul, il n'y a pas deux. Les peuples de la forêt, un seul, c'est Ngoc Lituba. Tant que tu ne réponds pas à la question, pourquoi la croix là-bas et les autres lieux sacrés, pourquoi on ne met pas? Je ne vais pas trop parler de la brevière, parce que je vais dire beaucoup de choses sur ça. Parce que je pourrais dire les choses, on pourrait même penser que, imaginer que je connais là où la brevière est. Mais, toujours est-il que, moi, je veux que vous ouvriez votre esprit. Parce que si vous ouvrez votre esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ne restez pas enfermé. Parce que lorsque vous fermez votre esprit, c'est un peu comme un gars qui est au Cameroun. Il ne connaît pas la relation qu'il y a entre le soleil et la terre. Et il ne connaît pas la relation qu'il y a entre lui, être humain, et la terre et le soleil. L'énergie du soleil rentre par les pieds. Donc tu ne peux pas faire 12 mois de l'année sans marcher pieds nus. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas faire 12 mois de l'année. 12 mois. Il faut que dans les 12 mois, tu aies au moins marché pieds nus sur le soleil. Même pendant 3-4 semaines. Et tu comptes les jours. J'ai marché aujourd'hui pieds nus sur le soleil. Passe. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est la relation, c'est le contact que tu as à ta plante de pieds avec la terre, ce que ça te fait, quel effet ça fait sur ton corps. Je ne vais pas tout dire ici. Oui, il y a des gens qui veulent d'abord savoir le sacré. Ça, c'est ceux qui sont allés à l'école du Ntangan. Parce que là-bas, on dedans, lui a dit, tu n'avais pas de culture, tu n'avais rien. Ce que Ntangan lui a dit. Et il a cru. Ntangan lui a dit, non, tout ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Il faut croire à Jésus. Après t'avoir massacré, il te dit maintenant, il faut que tu croies à Jésus. C'est le bon sens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça s'est passé sur des générations. Cette génération a vécu telle chose. La nouvelle génération qui arrive n'a pas vécu ça. Moi, je n'ai pas connu l'esclavage. L'esclavage arabe, l'esclavage européen, la colonisation, le néocolonialisme actuellement, nous sommes en train de vivre la mondialisation. Donc, tout ce que vient de citer là, je n'ai pas connu ça. Or,
Observez bien le comportement des Africains. Je dis que même ici où je vis, dans ce Montréal-ci, je sors de ma maison ici, quand le petit soleil, parce que nous on appelle le soleil du Canada la lumière du frigo. Parce que le soleil au Canada, c'est la lumière du frigo. Comme quand tu ouvres le frigo là, c'est comme ça le soleil ici. Quand ça sort comme ça, je suis obligé de marcher à pied, pieds nus. J'arrive en bas là-bas au métro. Parfois même j'arrive là-bas à Saint-Denis, j'ai fait demi-tour pieds nus. Les blancs me regardent. Je m'en fous. Il n'y a que moi seul qui sais ce qu'ils cherchent. Tu vas me regarder. Je marche, j'arrive, je fais demi-tour. Je rentre chez moi. Je m'assois. Moi, je veux juste que les gens se posent des questions. La dernière fois, je vous avais dit, commencez d'abord à prier dans ta langue maternelle. Et il y a une autre erreur. Je vois des gens, quand on lui dit prie dans ta langue maternelle, il s'assoit. Il traduit en sa langue maternelle, en Fumfu Marie, en Yézambe. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est de demander que tu sois en bonne santé, que la récolte de cette année te soit meilleur. Que tu puisses avoir la force de travailler pour subvenir aux besoins de ta famille. Tu t'assois, tu te mets à traduire à un foufou mari, à un jambon, mais c'est de la bêtise. Oui, allô? Oui. Ok. Vas-y. Ok. Je sais que les gens me connaissent. D'habitude, j'interviens dans tes directs. Tout ce que je veux dire aux gens qui voient souvent tes directs, s'il vous plaît, participez. On est là. Dans un échange de connaissances, d'idées, ne venons pas seulement nous asseoir comme si on est dans une église que Abdel est là en train de prêcher. Vraiment, il faut qu'on participe. Il ne faut pas que les gens soient complexés. Toute participation est la bienvenue. Il n'y a aucune mauvaise participation. Même si ce que tu ne connais rien, ce que tu peux dire intérieurement peut nous illuminer. Il n'y a pas de mauvaise idée. Bon, je vais alors parler par rapport à ce qui s'est passé en France. J'étais vraiment touché, mais je dis qu'en même temps, il faut voir l'histoire, il faut avoir la vision des deux côtés. Je vais prendre l'exemple que j'ai vu ici aux États-Unis. Le gouvernement américain. Parce que moi, je vais être spécialisé dans le domaine de la cybersécurité de pénétration. Donc, le gouvernement camerounais américain a été de payer mes études en ce moment. Et ça, c'est des trucs que je suis en train de vivre. Ce n'est pas des trucs que j'ai lis. C'est-à-dire, étant dans ma classe, tu as 4 Burundais. J'ai même rencontré un autre Camerounais. Bon, mais lui paye ça à partir de ses propres poches.
Et tu as, je crois, il y a deux Égyptiens. Bon, le reste, ce sont. On est une classe de 5 ans. C'est une classe future, quoi. Ouais. Bon, alors tu as. Le Camerounais, lui, il est là depuis avant moi, parce que lui fait le truc de master. Mais moi, je suis dans le programme, dans ce programme-là. Mais pour moi, je vais seulement me spécialiser. Donc, si c'est que je vais continuer, j'aurai le master. Mais pour moi, c'est la spécialisation qui est de 2 ans. Parce que si tu veux avoir le master, ça va te prendre 3 ans. Et alors, ça fait peut-être 2 mois. Parce que je causais avec ces Burundais-là tout le temps. Je me disais, mais mon ami, quand vous allez finir là, c'est sûr que vous allez commencer à travailler à Silicon Valley. Et vous allez peut-être mettre. Parce que quand tu finis, je te dis que le salaire que tu commences, ça commence dans les 100 000 dollars par an. Quand tu commences, je leur dis que oh, vous allez, comme vous aurez le master, vous allez énormément même faire des sous. Écoute ce que les gars m'ont dit. Les gars m'ont dit que non, on n'est pas là pour les sous. On est venu là parce qu'on veut développer notre pays. Nous, on va rentrer au Burundi. Je te dis que tous les 4, on dit qu'ils vont rentrer au Burundi. Qu'ils ont tout là-bas. Ils n'ont pas besoin de rester à l'étranger. C'est-à-dire, cette histoire-là m'a fait perdre la tête. J'ai dit que mais ces gars-ci, c'est les gars, ce qui décident de travailler pendant 5 ans ici. Ils seront des millionnaires, des grands investisseurs au Burundi. Non, pour eux, ce n'est pas ça leur optique. Et alors, je dis maintenant à mon compatriote camerounais, et toi, qu'est-ce que nous on va faire? Le gars me dit, qu'est-ce que toi tu vas faire? Moi, je lui dis que pour moi, c'est le gouvernement américain qui paie pour mes études. Donc, je ne peux pas quitter comme ça, quoi. Donc, il va falloir que comment on appelle ça, qu'elle fasse un service de 2 ans quoi, avant de quitter. Ouais. Parce que c'est un très grand investissement. Le gars me dit que lui va chercher le boulot quelque part en Californie ou bien il va descendre à New York, quoi. Comme c'était un grand hub pour l'informatique. Je lui ai demandé pourquoi tu ne rentres pas au Cameroun. Le gars me dit que je rentre au Cameroun pour aller faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas que le gouvernement a fait pour que je rentre? Donc il faut comprendre cette notion-là. Il ne faut pas seulement qu'on se lève, on dise que oh, les gars sont partis s'asseoir devant comment il s'appelle le président français là, Macron, ils l'ont écouté, mais les entrepreneurs. Mais le problème c'est que la faute aussi revient à nos gouvernements. Qu'est-ce que nos gouvernements en font? C'est ça le problème. Qu'est-ce que le gouvernement et qu'est-ce que les gouvernements africains en font pour que tous ces gens qui viennent prendre ces connaissances puissent aller investir dans leur pays? Moi, je crois que c'est l'approche qu'on doit utiliser. Vraiment qu'on arrête cette approche manipulatrice où on dit que oh, ce sont des néocolons. Oui, bien sûr, ce sont des néocolons. Ils n'ont pas de choix. Nos gouvernements ne leur donnent pas de choix. Donc pour eux, ils seront dans cette notion de néo-colon, croyant que, ok, ils vont travailler pour le colon, pour qu'ils puissent avoir une place dans leur pays d'origine. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Et il y avait même un gagnant aussi dans cette pays. C'est là que j'ai même appris que le Ghana, l'école primaire est gratuite. J'ai perdu la tête, j'ai dit que le Ghana l'a donné. Dans le domaine des ressources, le Ghana ne nous approche pas. Pourquoi est-ce que l'école primaire est encore payante au Cameroun? Aloïs. Ouais. Quand je parle de l'élite, tu crois que je parle de l'élite pourquoi? Paul Biya a signé un décret en 1900. C'est 1900, non? C'est 2000. Je crois 2003, 2004. Que à compter de la date de signature de ce décret,
L'école primaire est gratuite sur tout l'étendue du territoire. Mon Dieu. L'élite camerounaise, fonctionnaire de l'enseignement public, ont répondu à Paul Biya. C'est toi-même qui viendras appliquer ça. Lorsque tu as une élite qui ne croit plus en elle-même, tu arrives à ce résultat. L'élite camerounaise a presque 80% ne croit pas qu'ils peuvent bâtir un pays pour les générations futures. L'élite camerounaise pense d'abord à elle. Qu'est-ce que je mange tout de suite et je meurs demain? Le reste, je m'en fous. Monsieur Biya a signé un décret que l'école primaire est gratuite. À l'instant T, ils ont augmenté les frais de l'APE. C'est Madame le ministre Nalo Vanyonga qui a pris un décret, un arrêté, que l'APE, c'est 25 000. Que... Moi, pas mais oui, c'est en 2000 que M. Biya a signé ce décret. Je te dis bien que ils ont fait passer les frais d'APE. Ils ont augmenté, tout a augmenté. Donc, lorsque tu as une élite qui ne dit pas que nous pouvons nous sacrifier pour ceux qui viennent derrière nous, les Oumnobes se sont sacrifiés pour que nous on vive ce que nous on vit là. L'élite qu'on a aujourd'hui dit que non. Il n'y a pas de sacrifice à faire. C'est eux d'abord. Ils détruisent le pays. Est-ce que tu vois les débats télévisés au Cameroun? Tu as des hommes politiques qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision. Ils vous disent que il faut négocier avec les sécessionnistes. Montre-moi sur la planète Terre un pays qui a négocié avec les sécessionnistes. Le gouvernement fédéral américain n'a jamais négocié avec le Texas pour sa sécession. On leur rappelle la loi fondamentale américaine. Et les gens. C'est pour cela, quand tu parles de c'est pour cela que. Finalement, les Américains ont vu que pour éviter tout cet amalgame-là, c'est le fédéralisme. Parce que chacun a ses intérêts, d'où il vient, dont on ne peut pas imposer à quelqu'un d'autre. Dans ce fédéralisme-là que je te dis que le Texas veut son indépendance, on leur rappelle juste la loi. Ils savent qu'aux États-Unis d'Amérique, si tu fais sécession par force, le gouvernement fédéral, de l'État fédéré est dissous. Tous les postes politiques sont occupés par les militaires. Les partis politiques de l'État sont supprimés. Donc, on vous met les militaires partout. Non, le sécessionnisme ne peut même pas se passer ici aux États-Unis. Ça, c'est tout simplement une mouvance politique. C'est pour des bruits politiques. C'est pour cela que toutes ces histoires-là ressortent sur moi. Mais ça ne peut jamais passer. Donc, bon, en tout cas, moi, je voulais seulement parler par rapport à ce qui se passe en France aujourd'hui. Okay. Prenons nos responsabilités. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc, il ne faut pas que les gens s'assignent sur le plateau et commencent à vomir du n'importe quoi. Alors que un climat est créé au Ghana. On accepte la double nationalité. L'économie ghanéenne évolue parce que la diaspora amène les devises là-bas. Aloïs, tout ce qui parle de la double nationalité, ouais, ils sont naïfs. Tu sais pourquoi?
Parce que les conditions créées au Cameroun font en sorte que la diaspora camerounaise va vendre le Cameroun. Est-ce que les anglophones, la diaspora anglophone n'a pas vendu le sud et le nord-ouest? Ils ont vendu. Abdel, tu veux que je te pose une question? Oui, vas-y. Je ne sais pas comment vous dites, on dit encore ça en français. Le manque de pièces de monnaie. Ouais. Qui se passe en ce moment au Cameroun? Ouais. Les qui ont facilité ça, c'est la diaspora. Attends, donc je vais te répondre. Tu as posé une bonne question. Ouais. Aloïs, ouais. Du moment où un peuple est étranger au mécanisme de création de la monnaie sur son territoire, les choses pareilles arrivent. Parce que tu as des citoyens, je dis toujours tous les jours, dans les pays africains, il n'y a pas de citoyens. Il n'y a pas. Il y a une différence entre population et citoyen. Parce qu'un citoyen connaît le mécanisme de production de la monnaie en pièces et de la monnaie en billets. Il connaît. Mais lorsque un enfant de ce territoire arrive à dire, si je rassemble 10 pièces de 100 francs, je peux aller le remettre aux Chinois. En retour, le Chinois va me donner 1500 francs en billets, dont j'aurais gagné 500. C'est que cet enfant qui fait ça ne connaît pas ce qu'on appelle la monnaie. Il n'a pas été éduqué à ça. C'est ça qu'on appelle l'État néocolonial qui s'arrange à maintenir les gens dans ce territoire, des gens qui sont diplômés, mais en réalité analphabètes. Dans les pays africains, la première des choses que des gens doivent savoir, d'où provient l'argent que nous utilisons. C'est ça la vérité. On a donc créé un flou pour que les gens ne sachent pas d'où provient l'argent. Et les gens pensent que c'est Paul Biya qui fabrique l'argent. Jusqu'à les gens vous disent, ah, c'est l'argent. L'argent de Paul Biya, c'est rare. Hein. Ce n'est pas son argent. La double nationalité est un problème au Cameroun parce que tous les pays, je dis bien tous les pays africains, ont à l'étranger l'ambassade et l'association des ressortissants de ces pays. La particularité camerounaise, c'est que l'association des Camerounais de l'étranger n'existe pas. Elle n'existe pas. Lorsque l'association des Camerounais de l'étranger allait exister, c'est l'association des Camerounais de l'étranger qui va peser, créer un rapport de force avec les gouvernants à l'intérieur du territoire pour voir les modalités de mise sur pied de la double nationalité. Mais comme je vous dis toujours, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Oui, Abdel. Ouais. Ouais, je m'excuse, je suis entré dans un moment où il n'y a pas. Ouais. Où on te coupe la communication. Je disais que. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt, c'est tout.
La diaspora, son intérêt, c'est d'aller au Cameroun comme il veut. Mais les gouvernants, sachant bien le système de cooptation par les services de renseignement et les services de compte d'espionnage, on peut qu'on les renverse. Je dis, oui. Je comprends très bien ce que tu dis là. Je vais te dire une chose. Le Cameroun a un très bon service de renseignement. Ça, je peux te le dire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais sauf que ils ne sont pas capables d'arrêter Phil Macha. Ils ne sont pas capables d'arrêter nos petits. Mon ami, nous tous on connaît ce qui se passe. Donc, il faut, voilà. Non, domaine-là. On connaît bien que l'ennemi est dans la maison. Donc, je ne veux pas entrer dans ce domaine pour des raisons. Donc, ce que je vais te dire, si ce que nos autorités ne font pas confiance à nos services pour détecter toutes ces histoires-là, moi je dis que ça c'est de la machination. C'est de la vraie machination. La diaspora est une force à ne pas négliger. C'est une valeur ajoutée. La diaspora est une... La diaspora est une force lorsqu'elle est organisée. Il faut toujours ajouter le mot organisée. Mais l'équipe doit l'organiser. Elle-même. L'équipe doit ouvrir. Elle-même. Elle-même doit s'organiser. Elle-même doit s'organiser. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu penses que on m'a pas proposé de l'argent. Tu crois vraiment? Depuis 2018, on m'a proposé l'argent, j'ai refusé. Tu vois pas les gens courir derrière les 2 000 euros, les 800 euros, 400 euros, tu ne vois pas courir? Tu ne vois pas courir? C'est pas toute la diaspora qui est comme ça, ça bon. Je peux te le dire. Tu veux donc qu'on les respecte comment? Tu veux donc qu'on les respecte comment? Mais je viens de te prendre un exemple. Ces gars-là peuvent décider de ne pas rentrer au Rwanda. Mais parce qu'il y a un climat favorable qui se passe au Rwanda. Les gars m'ont dit que non, on n'a pas besoin d'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Écoute la mentalité. Aloïs. Mais je vais te dire, si tu poses le même concept, Aloïs. Les Camerounais qui sont dans la diaspora. Aloïs. Aloïs. Aloïs, attends un peu. Je vois qui m'appelle là. Je dois voir qui appelle là. Attends, j'ajoute manga. Oui, allô? Oui, allô? Dieudonné. Ok. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Très, 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 très intéressant. Je voudrais rebondir, peut-être répondre à mon frère Loïs, et Loïs qui a parlé là. La première chose que je vais dire, mon frère, je suis en état des choses, dès que les choses sont là, je suis à 100%. Pour ne pas dire 1000%, ce qui est faux, mais ça exprime ma position sur la double nationalité au Camerounais. La double nationalité marche pour le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains que j'ai fréquentés, les Marocains, sauf les Camerounais. Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes entre nous. Il faut dire les choses telles que les choses sont. Notre diaspora est extrêmement dangereuse et extrêmement méchante. Tu sais, tu n'as pas besoin d'écouter ce que je dis.
lis les commentaires. Je comprends ton approche. Hein. Voilà. Je vais te donner un exemple. Je ne suis pas un fanatique. D'accord, je te donne un exemple. Je vis au Texas. J'entre un jour à la mairie, dans une mairie. J'ai failli me faire écorcher par des blancs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des Camerounais qui sont dans la ville, qui se sont insérés dans tous les milieux politiques pour des prébendes. Et qu'est-ce qu'ils ont donné en contrepartie? Ils ont vendu le pays. Ils ont vendu le pays. Vendu le pays. Est-ce que vous savez que vous, les hommes Camerounais, vous êtes des violeurs? Vous êtes des criminels. Pareil au Cameroun, pareil au Canada. Mon gars, ils ont infiltré toute l'administration canadienne, ils sabotent le pays. Le pays. Je ne veux pas dire qui, parce que ce n'est pas important. C'est pas important. C'est la situation. C'est tous les faits. Bon. Tout à l'heure, là, on parlait de. Mon frère, tu t'as vu le gouvernement. Ouais. Je te demande à genoux de laisser le gouvernement camerounais et mets-le de côté. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Comment est-ce que tu vas aller demander à quelqu'un qui te déteste de t'aider? Tu vas aller demander au support du diable de t'aider? Nos gouvernants, nous font croire que nous ne pouvons pas nous passer d'eux. C'est faux. C'est à nous de s'organiser. C'est à nous de créer un rapport de force qui va faire en sorte qu'ils vont s'intéresser à nous. C'est comme ça qu'on fait dans tous les pays. Mais la diaspora camerounaise veut renverser la pyramide. Elle ne veut pas se faire intéresser par les gouvernants. Mais elle se fait intéresser par la violence, comme mes frères anglophones ont fait. La diaspora camerounaise vit sur la haine du Cameroun. Si le Cameroun n'avait pas de guerre interne, Boko Haram, le Nozo, à l'Est, et les problèmes internes, la diaspora camerounaise ne vivrait pas. Tu veux que je te réponde? Vas-y. Okay. Tu vis au Texas. Oui. Comme tu connais le gaz que les Nigériens ont fait au Texas. Oui. Comme tu connais ça. Oui. Principalement dans la ville de Houston. Absolument. Mais est-ce que le gouvernement camerounais n'est pas, le gouvernement nigérien n'est pas en faveur à donner une certaine ligne de conduite et à faciliter la bonne question. Très bonne question. Tu peux répondre? Vas-y. Très bonne question. Et ça me prouve que tu as compris le mécanisme, ce qui se passe. Non, écoute, entre parenthèses, tout ce que tu dis là, ce n'est pas étranger à moi. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas un fanatique. Quelqu'un qui va se lever et commencer à laisser sur le pouce se cantonner sur ma position. Je suis totalement au courant de tout ce que tu racontes là. Oui. Mais ce n'est pas unique au Cameroun. Mais attends, il y a une grosse différence. Attendez un peu là, je vais ajouter quelqu'un d'autre. Attends, j'ajoute les autres. Ouais, attends, j'ajoute les autres. Allô, vous êtes bien là tous? Allô? Moi, je suis là. Ouais.
Les autres sont partis. Non, ils se... Voilà, faut pas qu'ils partent. Ils sont là. Oui, Aloïs. Voilà. Ouais. Ouais, attends. Attends. Ouais, il est en train de se connecter là. Ouais, je l'ai déjà ajouté, c'est en train de mouliner. Ça veut dire qu'il n'est pas au bon endroit ou ça. Il n'est pas au bon endroit, vas-y. Il est dans un bon endroit. C'est bon, il est là. D'accord, il est là, je suis là. Je suis là. Bonsoir. Mon frère, Loïs, tu as posé une très bonne question. Les Nigériens ont fait des dégâts dans ces pays. Entre parenthèses, rapidement, les Nigériens ont une. Comment dirais-je. Une image nigériane en Angleterre et dans tous les pays anglo-saxons comme étant les pires criminels sur sa terre à terre. Je répète, les Nigériens ont une image d'être les pires criminels de la terre. Mais nous ne parlons pas de la méchanceté ou de la criminalité des Nigériens ou leur perception. Nous parlons du fait que tout Nigérien, tout criminel qu'il soit, porte en lui le Nigeria et il est prêt à mourir pour le Nigeria. Alors, attends, non, laisse-moi finir. On va pas commencer cette histoire. Le Camerounais, je ne parle pas de tous les Camerounais, je parle en général. La nouvelle génération, vous précisez, la nouvelle génération des Camerounais. Voilà, la nouvelle génération des Camerounais travaille avec l'étranger pour détruire le Cameroun. Écoutez, nous avons les noms, j'ai des noms, et je ne vais pas seulement les citer, mais ils travaillent contre le Cameroun. Ok? Un exemple rapide. Nous avons eu ici, à Washington DC, un frère de l'Ouest et un frère du Sud-Ouest. Les deux étaient avocats. Les deux ont donné des centaines et des centaines de papiers aux Camerounais. Mais ce sont les Camerounais qui sont allés les vendre. Voilà. Parce que quoi? Parce qu'en les vendant, lui, il obtient quelque chose. Vous vous plaignez, par exemple, Facebook. Mais savez-vous qui est une Camerounaise qui est la tête du contrôle de Facebook? Voilà. Voilà. Le problème, les Nigériens, les Ghanéens, tous ces gens-là, aident leur pays. Parce que nous, on peut parler. Okay? Ils aident leur pays, mais le problème avec nous, c'est qu'au contraire, nous trouvons les moyens pour les détruire notre pays. D'accord. Est-ce que nous autres, on peut intervenir? Vas-y, Jean-Louis. Merci beaucoup. Je suis prêt. Merci de me donner la parole. Allons-y avec votre façon de voir les choses, parce que dans un débat, il ne faut pas rejeter tout ce que les gens d'en face vous disent. Prenons acte que ce que vous dites est vrai. Qu'est-ce qui fait donc le peu qui veut réaliser cette diaspora-là, le peu qui veut réaliser au Cameroun soit affecté? Parce qu'il faut dire une chose. Si les gens continuent à saboter ou faire quoi, tout ce que vous dites là, acceptons-les. Peut-être parce que beaucoup ont essayé et on les casse les pieds. On parle d'un jeune Camerounais en France qui a trouvé un jeu, une manière d'aller faire les simples toilettes publiques. Les simples toilettes publiques. Il a fait les études en France. Il a travaillé avec les mairies françaises. Ça va au Cameroun pour installer les simples toilettes publiques en barre. Pouvez-nous au moins nous donner une chance de voir faire ça? Parce qu'on ne peut pas dire, oh, oui, c'est vrai, l'adage dit que une carrière pourrie toutes les dents. Mais est-ce que ce gouvernement camerounais ne peut pas donner la chance à certains pour que d'autres voient que, okay, comme vous voyez là, vous faites la voilà ça que d'autres font. Teuf. Teuf. C'est une échelle de 10, parce que tu vas me donner ta raison, je vais les prendre, on a un débat. C'est une échelle de 10, les Camerounais se plaignent. À 10 sur 10. Si tu n'as pas quelqu'un qui a su quelque part que quand tu as fini l'école, il te donne. Mon frère, c'est Louis, c'est son nom là. Ouais. A
Allô, excuse-moi, oui, merci. Allô, si tu savais, quand un garçon découvre son pays, il va rentrer. Il s'en fout des millions qu'on lui donne aux États-Unis. Mais quand quelqu'un est aux États-Unis et qu'il sait que s'il n'a pas quelqu'un de haut placé pour l'aider, il ne pourra pas, il prend le 100 000 qu'on lui donne à Silicon Valley. Et là, on va nous prendre la minorité qui est blanche, la minorité qui garde la petite, qui n'est pas la majorité. Je refuse de la diaspora camerounaise dans cette majorité de comme majorité de personnes qui gardent le Cameroun. Elle est minoritaire, celle qui détruit le Cameroun. Oui, il y en a, monsieur Jérémy. Je ne peux pas vous l'enlever d'autre. Mais la majorité des Camerounais aiment vachement leur pays. Mais sont frustrés du fait que à chaque fois qu'ils veulent réaliser, il y a des blocages. Si tu n'as personne à chier, tu ne fais rien. Je m'arrête là pour vous donner la parole. Plusieurs, c'est quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Ok, ce que je veux dire, il faut qu'on fasse très attention. Hein? La même gouvernance qu'on a au pays, hein? Pour les petits détournements qui se font voir, c'est pas la diaspora. Il faut qu'on dise pas qu'on soit, il faut qu'on soit clair dans ce qu'on veut dire. Et la diaspora camerounaise, ok, il y a des prédicateurs dans toutes les diasporas. Je connais bien, mais j'ai des informations sur la diaspora nigériane. C'est une diaspora, vraiment, je vous dis que dans le monde entier, qui est bien connu. Quand tu arrives quelque part, dès que tu as cette étiquette, en tant que diaspora nigérienne, je te dis que les gens se méfient. Les gens se méfient. Mais quand tu arrives avec cette étiquette camerounaise, on n'est pas connu dans ce monde. Dans ce domaine aussi avancé, sauf si tu es en Europe, et particulièrement en France. En France. En France. On s'est assuré que la diaspora camerounaise n'est pas reconnue dans ce genre de tracas. Elle bosse aux États-Unis, elle bosse au Canada, elle bosse. Les petites minorités qui sont en France, là, qui gardent le nom des Camerounais, oui. Moi je dis qu'ils sont minoritaires, monsieur Tchérené. Les personnes comme toi qui parlent à ce moment, vous faites partie de cette diaspora camerounaise politique qui peut voir leur Cameroun changer. Est-ce qu'on va prendre des belles pensées comme vous, qui se lèvent le matin, midi et soir, travaillent pour que son Camerounais brille, pour que le monsieur qui tient le live à ce moment, c'est un monsieur que je connais, qui sort tous les matins à 5h du matin pour aller travailler, que son travail soit mis en peine parce qu'on parle de quelques minorités en France, ou je ne sais où, qui tapent le nom du Cameroun. Quelle chaleur. Le gouvernement camerounais passe faille sur ça. Quelle chaleur. Okay. Telle chaleur. Oui. Je vais te dire quelque chose. Ce sont les Camerounais bien placés dans l'administration canadienne, dans l'administration américaine, dans l'administration anglaise en Grande-Bretagne, qui sabotent le Cameroun. Et que tu me suis. Ils sont minoritaires. Je suis en train de te dire les réalités. Abdel, ils sont minoritaires. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'ils sont minoritaires. Abdel. Oui. Ils sont minoritaires. Abdel, oui. J'aimerais prendre des principes par rapport ici aux États-Unis. Oui. Cette diaspora qui travaille dans le gouvernement américain. Oui. Je vais te dire, elles n'ont pas aussi ce pouvoir d'influencer les décisions. Ok, je te prends un exemple. Attends, je te prends un exemple. Aloïs, je te prends un exemple. Lorsqu'ils se réunissaient chez Fomonion aux États-Unis, c'était pour faire quoi? C'était pour le bien du Cameroun. Quand ils se réunissaient chez Fomonion, ils sont la majorité. Non, écoute-moi. Je connais une ville très bien. Je connais aussi Houston. Je connais Dallas. Très bien. Je connais Texas. De l'est à l'ouest, nord au sud. Je te dis ceci. Ils sont une majorité écrasante. Je ne connais pas les autres États. Mais ici, ils sont une majorité écrasante. Ok? Je te mets en défi d'entrer dans n'importe quelle mairie. Dans n'importe quelle structure qui travaille à l'Afrique et dit que tu es Camerounais et que tu es un homme
revenir sur ce que Tef a dit. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre, mais je veux dire ceci, Tef. Toi et moi, écoutons les élèves d'Abdel depuis au moins 3 ans. Et tous les jours, Abdel dit ceci. Et c'est la conclusion à laquelle moi je suis arrivé il y a plus de 20 ans. Et c'est l'exemple que j'ai vu dans tout le monde entier. Un gouvernement n'a jamais développé un pays. C'est vrai. Je n'en connais pas. C'est vrai. Bon, premier point. Premier point. J'ai oublié ce que tu viens de dire. Oh, un gouvernement, là je l'avais développé un pays. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Ok, bon, premier point. Deuxième point. Les membres du gouvernement camerounais Def Chaleur, c'est ce qu'Abel répète tous les jours, sont des traîtres. Def Chaleur. On ne va pas entrer dans les détails parce qu'on est ici en public. Oui. Ok. Oui. Ce sont des traîtres. Donc tout ce que tu dis sur ce qu'ils font, ils me l'ont fait. Où est donc la responsabilité de la diaspora dans ça? Attends. Ces gouvernants-là, ces gens que nous appelons nos élites, ne travaillent pas pour nous. C'est ce que nous avons fait, beaucoup de nos frères et sœurs ont du mal à comprendre. Ils travaillent pour les gens qui les ont envoyés. Okay. Ils travaillent pour les gens qui ont créé ce qu'on appelle l'État du Cameroun. Ok. Non, laisse-moi continuer. Oui. Non, je te coupe pas, Jérôme. Merci. D'accord. Maintenant, quand je parle de la diaspora, je n'ai jamais dit que la diaspora camerounaise est celle qui fout en l'air le Cameroun. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que j'ai commencé mon propos en disant ceci. Il y a, moi, je connais, depuis ces dernières années-là, j'ai fait la conclusion que il n'y a personne au monde qui déteste et hait le Cameroun comme le Camerounais. Nous avons une haine pour notre pays. Vous pouvez me dire qu'il y a raison X, Y, Z, d'accord. Mais lisez vous-même, ne prenez pas ce que je dis. Lisez vous-même les commentaires et les propos et les agissements des gens. Comment vous justifiez les actes criminels des Camerounais au pays et à l'extérieur en disant que oui, c'est parce que le gouvernement a fait X, Y, Z. Comment on peut égorger, on peut éventrer une personne? Des gens justifient. Non, Tape chaleur, je ne pars pas ailleurs. C'est la diaspora qui justifie. Tape chaleur, on ne peut pas. Tape chaleur, écoutez un peu là. Tape chaleur. Quand Dieu donné dit que les Camerounais, il faut lire ce que les Camerounais écrivent, on essaie de te prendre un exemple en te disant on égorge une personne. Les Camerounais cherchent à justifier l'égorgement. Alors, est-ce que tu peux comprendre la frustration de la personne qui a voulu faire les toilettes publiques au Cameroun? Tape chaleur, attends d'abord. Je suis allé au pays. Écoute-moi bien. Je suis allé au pays. Je voulais faire quelque chose au pays. Tef Chaleur, une institution financière, me demande le document de l'administration. L'administration me demande le document de l'institution financière. Tef Chaleur, quand nous parlons de l'élite, on parle de l'élite parce qu'on comprend que c'est l'élite qui détruit le pays. C'est l'élite qui détruit le pays. Comment on peut te demander pour faire quelque chose? On te dit, donne-moi telle pièce. La pièce que l'élément A te demande, l'élément B te demande aussi, te demande la pièce venant de lui. Qu'est-ce que ça va se passer? Tu me donnes raison. C'est pour ça qu'il y a frustration. Mais, Tef Chaleur,
Thème chaleur. Thème chaleur. La frustration, c'est quoi? C'est chercher comment faire. Si il est passé par A pour avoir les toilettes publiques, il est parti dans quelle ville, dans quelle mairie? C'est pas le gouvernement qui met les toilettes publiques, c'est la mairie. Mon frère, c'est là où je ne suis pas souvent d'accord avec toi. Comment? Tu as pris un exemple. Tef, tu as pris un exemple. Tef. Tef, tu... Non, Tef. Tef. Moi, j'ai parlé tout à l'heure que le président Paul Biya a signé un décret que l'école primaire... Que l'école primaire est gratuite. Et j'ai précisé que les fonctionnaires de l'éducation nationale ont dit que Paul Biya va venir appliquer. Je n'ai pas généralisé. Tef chaleur, ce n'est pas Paul Biya qui gouverne le Cameroun au quotidien. C'est l'administration qui gouverne le Cameroun au quotidien. Même ici au Canada, ce n'est pas Justin Trudeau qui gouverne. Son rôle c'est de promulguer les lois. S'il vous plaît, je pose ma question et vous me répondez. Ouais. Paul Biya. Ouais. Ouais. Donc, le président Biya va aller dans chaque école du Cameroun. Voilà, écoutez, moi, c'est que je demande, hein, pour arrêter les gens. Mais quoi, je te réponds, oui. Il faut te relever, je vais répondre à ta question. Vas-y, je lis au peuple, je réponds. Je lis au peuple, c'est le président de la République. Si monsieur le président de la République nomme comme ça le ministre de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement, je ne sais quoi. Et comme monsieur le président de la République a dit, l'école est gratuite. Et que, quand son renseignement, c'est vous qui dites que les renseignements camerounais sont forts. Quand son renseignement, je dis que, monsieur le président, la loi que vous avez signée, telle date, n'est pas appliquée. Le ministre ne l'a pas mis en compte. Monsieur le ministre, vous comptez. Et la loi, c'est bien. C'est le ministre. Tef chaleur. Il faut savoir qu'il y a une différence entre prendre une décision et celui qui applique. L'école publique de Ngolem Nduka, c'est pas Paul Biya qui parle là-bas. Oui, c'est le ministre qui l'a nommé. Attends, je viens. L'école publique de Ngolem Nduka, ce n'est pas le ministre de l'éducation qui est là, qui est là-bas. C'est la personne que le ministre a mis en place qui est là-bas. L'école, je viens. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Paul Biya prend une décision en haut. Il y a un mécanisme d'application. Ce sont les citoyens, l'élite. Comme je dis tout à l'heure, que l'élite. Oui, allô? Chaleur est en train de prouver ce que nous disons. Que nous, les Camerounais, on dit les Camerounais, quand je parle de Camerounais, je parle en généralité, tous les Camerounais, on se comprend. Oui. J'ai parlé des Camerounais de l'extérieur et j'ai essayé de parler des Camerounais de l'intérieur. Je voulais nous amener à voir une chose. C'est que nous pouvons, comme Tef Chaleur dit, mettre la responsabilité sur Biya, mettre la responsabilité sur le gouvernement, n'importe qui. Mais le problème fondamental où je voulais arriver, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est pour dire que c'est nous-mêmes qui avons le gouvernement que nous avons et qui le méritons. Pourquoi je dis ça? Voilà qui parle. Voilà, je m'en train de le dire. Pourquoi je dis ça? Regarde, ok, une chose, je vais prendre un exemple un peu au-dessus.
mais depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que, prenons l'école, est-ce que vous vous rendez compte que tous les Camerounais se plaignent qu'il y a un décret de gratuité de l'école primaire, mais il y a des propriétaires d'école qui font payer aux parents l'école qui devait être gratuite et qui est subventionnée par le gouvernement. Ils prennent les subventions du gouvernement et puis font payer encore les parents. Mais voici le truc. Tous les Camerounais qui ont les enfants qui vont à l'école, et même ceux qui n'ont pas d'enfants, personne ne dit rien. Puis-je me prononcer, parce que depuis là, je vous dis, vas-y. Par rapport à cette histoire, ok. Bon. Ok, on est d'accord que le président a rendu l'école gratuite. Bon, je ne peux pas dire que c'est la responsabilité tout seul du président. On a des représentations à l'Assemblée là. Je crois que c'est eux qui devraient pousser cela et que cela soit implémenté. Mais cela n'est pas fait. Voilà. Donc, c'est pas seulement la responsabilité du président. Alors, on a des représentants qui ne font pas leur boulot et c'est ça. Et ça, alors, c'est une partie de la mer. Alors, ces représentants, on les a élus pour faire quoi? Oui, mais Aloïs. Oui, Aloïs. Voilà, tu as élu quelqu'un pour qu'il fasse ton travail, n'est-ce pas? Oui, oui. Il n'a pas fait le travail. Tu le payes, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, Aloïs? Ok, je vais te dire ce qu'il faut faire. Voilà, vas-y. Paul Biya est le leader de la nation, c'est le président de la République. D'accord. Quand il est nommé, pardon, Paul Biya n'est pas nommé, il est élu. Ça veut dire que le peuple a décidé que c'est lui qui nous dirige. D'accord. D'accord. Quand Paul Biya est élu, il décide lui de faire un gouvernement qui va appliquer les choses que lui, le peuple l'a mandaté. Oui. Parce qu'on l'a élu, n'est-ce pas? Oui. Le peuple l'a mandaté de faire ça. Il a dit, je prends l'engagement, mais je vais faire. Oui. Je vais faire. Alors, il décide bien d'employer ses salaires, et le Tchéboné, et Loïc qui est avec lui aussi. Alors, qui est avec nous aussi. Alors, il nous donne des responsabilités. Nous ne sommes pas élus, nous sommes nommés par lui. Et il se rend compte que lui, il a pris un engagement auprès des Camerounais. Et il a nommé des gens pour qu'ils appliquent le mandat que les Camerounais lui ont donné. Les Camerounais ne le font pas. Qui sont ces Camerounais qui ne le font pas? Mais c'est lui que vous avez nommé qui l'a donné. Les gens qui l'ont nommé. Les nommés et les élus à l'Assemblée nationale aussi. Je commence d'abord sur les nommés, puis je vais passer, après je vais peut-être vous écouter. Les nommés, donc qui sont les ministres, qui sont nommés, ne font pas le travail. Il se dit, bon, il y a l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, il y a aussi des élus. Les élus qui ont le mandat de mairie, de tout ce que vous voulez. Ces gens-là ne font pas leur travail. À la fin de la journée, vraiment, je comprends, à la fin de la journée, peut-on dédouaner le président de la République et simplement accuser les élites, ou alors nous devons, par souci de transparence, accuser le président de la République et toute sa descendance. Parce que le père de la nation, c'est lui. Quand ça réussit, c'est lui. Et quand ça échoue, ça devient lui. Qui sache que ceux qui ne font pas leur travail, ils l'amènent là où il faut. Et ceux qui veulent faire leur travail, ils le prennent là où il faut. Quand ces enfants de la diaspora, parce que nous de la diaspora, nous parlons aujourd'hui. Quand nous arrivons au Cameroun, après l'été au Cameroun, et qu'ils font un papier, on lui demande ce papier à gauche, on lui demande ce papier à droite, on lui demande ce papier à gauche et à droite. Qu'ils se présentent où? Si la bien n'est pas solide, c'est beaucoup. C'est pourquoi vous voyez les gens, la fibre ne s'en va pas parce qu'il n'est pas le Cameroun. Parce qu'à force d'essayer, tu finis la personne qui va t'aider. Du coup, ça change. C'est pour ça que je dis qu'il y a une minorité. Il y a une minorité qui garde notre nom. Mais parfois, cette minorité-là, pas tous, mais parfois, c'est par comment, par frustration. Je vais ajouter un exemple. Hein. Nous on a vu la vidéo de Ahmed Kamer par rapport au truc qu'il voulait ouvrir ou était qu'on lui a demandé plus d'un milliard de francs CFA. Si vous voyez le ministre. Donc, il ne faut pas qu'on dise que c'est la diaspora. Voilà quelqu'un qui vient dans la diaspora.
Je dis que voilà l'exemple pour après que tu prends, qui vient de la diaspora, il faut offrir quelque chose. Si c'est que Amel Kamel racontait là est vrai. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop dit que la diaspora est mauvaise. Ça veut dire que c'est l'intérieur au courant Cameroun qui est pourri. Voilà. On a bien dit, c'est pour ça que le Burundais, on a bien dit que, et on le répète tous les jours, il utilise un terme bien précis, l'endocolona. Oui, tu peux dire off, mon frère, tu peux dire off. Moi, je parle des traîtres. Et je veux dire quelque chose, deux choses. La première chose, vous pouvez insulter Biya. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur les... On peut dire tout ce qu'on veut sur les soi-disant élites, sur les élus, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose fondamentalement sur laquelle je voudrais attirer notre attention. C'est que nos élites, notre gouvernement, nos élus représentent foncièrement ce que nous, les Camerounais, sommes. Parce que si nous, les Camerounais, étions différents, nous n'aurions pas cette édite-là. Je reviens encore à ceci. Il manque... Les Camerounais se plaignent. Oh, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de route. Il n'y a jamais rien au Cameroun. Mais personne au Cameroun, parmi les soi-disant intelligents, les soi-disant, opposants, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire mieux, personne ne peut se dire que nous, le peuple, on va prendre un domaine. Je dis un seul domaine, celui de l'eau. Et on va aller faire en sorte que Néo nous donne de l'eau. Je n'ai jamais entendu les Camerounais se lever pour résoudre un seul problème. Parce qu'ils n'ont pas le mandat du peuple, c'est pour ça. Arrête, je parle du peuple. Le peuple s'est levé quand? Le peuple ne peut pas se lever parce qu'il y a quelqu'un qui est normalement élu. On ne peut pas demander au peuple de se lever pour aller contre le président de la République. Il y a quelqu'un qui est élu, donc qui est responsable, donc nous avons donné notre confiance. Donc le peuple se lève, donc se soulève. Un peuple qui se soulève est un peuple qui dit que toi tu n'es plus à ta place. C'est la première chose. Donc, Je vais tout simplement ajouter sur ce que tu viens de dire. Ouais. Le peuple a des représentants. C'est tout. Hein? Il ne faut pas seulement tout mettre sur le peuple. Qu'est-ce que ces représentants en font? Mais, mon frère, vous allez. Donc, ok, j'ai compris alors. Donc, le débat est clos pour moi. Parce que il faut que nous rentrions tous au Cameroun, qu'on s'asseye en route et qu'on meure. Mourez alors, les gars. Non, ce n'est pas ça. Il faut que monsieur Dieu le cours allait terminer pour qu'on laisse Abdel continuer son live. Enfin, je me permets parce que je vais m'arrêter pour qu'Abdel continue. Voici ma comment on dit ça? On ne peut pas le tout proposer quoi. Je propose que... Oui, non, je ne dis pas, je dis moi. Je propose que quand quelqu'un de la diaspora, aussi bien que M. Delaunay ou à l'OITS, a un projet, et qu'il appelle ce projet au Cameroun, que quelqu'un n'attendait pas le Makalapati, parce que tu es nommé, que quelqu'un voit que, enfin, quelque chose qui va aider ce peuple dont nous parlons. On ouvre les maps, la personne résout son problème, et le Cameroun finit mieux. Qu'en est-il? Donne-moi 200. D'autres font même les projets des autres, et ne le prennent pas comme les deux blancs à mener. D'autres bloquent parce que tu n'es pas de même matière que lui. D'autres bloquent pour des raisons multiples, parce qu'il ne veut pas que tu payes. À partir de ce moment-là, vous verrez que l'élite camerounaise, cette minorité qui garde le nom, va même se retourner. Elle va comprendre que, parce que le Burundais dont on ne plaît pas aujourd'hui, elle est un gars sûr que quand il rentre au Burundi, il n'y a rien qui le dérange. Du coup, il rentre. Et le Camerounais, quand il dit qu'il va aller travailler exactement, s'il sait que s'il n'est pas compétit, c'est le harcèlement. C'est seulement la bagarre. Donc, vous voulez gagner son argent là. À ce moment-là, on va le placer parmi les mauvais. Non. Le peuple que nous sommes, la diaspora que nous sommes, nous sommes contre ceux qui gâtent le nom. Par exemple, ceux qui courent après pour dire quand tu es à l'étranger. Moi, j'ai toujours dit non. Mais nous sommes contre cette élite camerounaise. Ce gouvernement camerounais qui devient élite pour dissocier les gens de Koulibia, elle devient élite. Quand il
faut les dissocier et qui devient gouvernement tant qu'il ne faut pas, quand il ne faut pas donner tort. Il dit que nous, de la diaspora, nous devons regarder ça d'une seule manière. Où est la solution? Où est la solution? On veut ouvrir les vapes à la diaspora politique camerounaise. Parce que c'est quoi ouvrir les vapes en tant qu'elle réalise des merveilles dans leur pays. Ok, moi je vais essayer de conclure là, pour qu'on laisse l'antenne à Abdel. Ok, ce que moi je veux dire, c'est que ce que je veux dire, la malgouvernance qui se passe au Cameroun, hein, la fuite des pièces de monnaie, le trafic au port de Douala, c'est-à-dire que tout le toute cette instabilité qui nuit à la conscience de la nation, la diaspora n'est pas totalement responsable de cela. Il faut qu'on soit honnête entre nous. La diaspora camerounaise n'est pas aussi mauvaise que l'on veut la présenter. Tous les diasporas ont ce problème. Moi, je dis que le problème, c'est que les gens ont peur du changement de pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de tout viser. Moi, c'est mon article. Parce qu'il est inconcevable que je m'en vais dans un entraînement, dans une école, où tu as une certaine élite d'une autre nation qui sont contents de rentrer dans leur nation mère pour servir, alors qu'ils peuvent rester ici aux États-Unis et gagner énormément d'argent. Mais cette élite-là rentre parce que le climat est favorable. Donc vraiment, soyons un peu honnêtes. Qui a créé le climat? Il y a deux acteurs dans le climat. Les acteurs dans le gouvernement et les acteurs dans la diaspora. Donc tu n'es pas un homme toi-même. Donc toi-même, tu n'es pas un homme. Hein? Tu n'es pas un homme, mon frère. Qu'est-ce que tu dis que tu ne suis pas un homme? Tu attends que quelqu'un d'autre vienne créer ton destin? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle qu'il y a des brebis galeuses partout? Oui. C'est les brebis galeuses qui doivent venir nuire à la bonne volonté du reste. Le Canada était une colonie anglaise. 6 Canadiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront assis. Je dis que maintenant, là, tu vas dans un autre objectif qui n'a pas de place. Il faut conclure. Je veux continuer. Ok, je vais conclure rapidement. Mon optique est que la raison pour laquelle je suis Abdel depuis 3 ans, c'est parce que c'est pour un seul discours. Le peuple doit faire pour lui ce dont il a besoin. Claire, et c'est limpide. Il n'y a aucun pays au monde qui a, où un gouvernement a œuvré pour le développement de ce pays sans que le peuple n'agisse en contre-pouvoir. On nous a convaincus au Cameroun que nous ne pouvons rien. Je comprends Tef Chala quand il dit que les gens sont frustrés. Mais je refuse que parce que je suis très frustré, tu vas aller tuer les gens. Ok? Parce que si on parle de frustration, moi je peux en parler. Je peux en parler. Nous étions là au début de la création de ce pays. Je peux en parler. Mais cette frustration exprimée comme nous l'avons exprimée n'avance pas notre pays. Pour conclure en quelques mots, les gars, rejoignez-nous, joignons nos mains et travaillons ensemble. Dites-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire un contre-pouvoir qui nous permettra de forcer les gens là à faire ce que nous voulons? Pour le moment, on n'a pas les moyens, on n'est pas fort. Créons cette force. Ok, merci. Travaillons ensemble. Ok, merci tout le monde. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là, je vais vous parler pour que vous compreniez le problème. Ce que moi, je vous fais comprendre, c'est que l'élite camerounaise est responsable de la déchéance de notre pays.
Je vais vous prendre des exemples. Le président Biya est allé s'endetter en Chine pour construire le port en eau profonde de Libye. Lorsqu'il a fallu qu'on équipe le port de Libye avec du matériel de déchargement des conteneurs, est-ce que vous savez ce que l'élite camerounaise est allée faire? Ils sont allés à Malte, à l'île de Malte. Ils sont allés à l'île de Malte. Prendre les portiques qui ont travaillé à l'île de Malte pendant 17 ans. On a travaillé, après on a gardé ça. On a gardé ça 4 ans après que l'élite camerounaise est partie chercher. Mettre dans le bateau. Venir livrer à l'état du Cameroun. Moi, je veux bien qu'on critique Paul Biya. Je veux bien qu'on le critique. Et Paul Biya, quand tu prends la constitution, ce qu'il doit faire est écrit dedans. Et il fait ce qui est écrit dedans. Moi, je suis mécanicien de formation. Quand il n'y a pas le carburant dans la voiture, ça ne marche pas. Je ne dois pas aller enlever la roue. Pourquoi, comme ça ne marche pas, il faut enlever la roue. Ça va marcher. Hey. Tu mets le carburant, ça marche. Regardez. Lorsque les grands bateaux, parce qu'il y a les bateaux qui ont une largeur de 17 mètres. Quand les bateaux là accostent au port de Kribi, on prend les portiques là, on met. Le portique là n'a pas une longueur qui avale carrément tout le bateau. Qu'est-ce qu'on fait? Le bateau accoste. On décharge les conteneurs de ce côté, on décharge les conteneurs de ce côté. Ça fait un double travail pour le capitaine qui doit jouer en même temps qu'il est stationné. En même temps qu'il faut jouer l'équilibrage avec les ballasts. On décharge le bateau jusqu'à un certain niveau. Il faut falloir, on tire encore le bateau. On part, on tourne, on ramène ça. Parce que l'élite camerounaise déteste le Cameroun. Ils ont de la haine qu'ils ne peuvent pas travailler pour les générations futures. C'est ça le problème. Regardez. Tout ça, ça vient de Malte. Garé à Malte, ça a travaillé à Malte 17 ans. Vous voyez, non? Ça. Regardez le portique. Or, quand il baisse son mât qui est devant la droite comme ça, quand il baisse ça, ça doit couvrir le bateau pour permettre à ce qu'il enlève les conteneurs qui sont à tribord, il enlève les conteneurs qui sont à bâbord. Mais ça ne peut pas. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait à Paul Biya sur son avion. C'est la même chose qu'ils ont fait. Regardez. Je vais m'asseoir ici. Je vais faire un direct sur le port de Kribi. Nanama. Voilà ça qu'on vient livrer venant de Malte. Voilà ça. Voilà ça que le bateau vient livrer. Ça vient de Malte. Ça a travaillé à Malte 17 ans. On a garé. Les gens vont vous dire, c'est pour le bien. Moi, je ne suis pas ce genre de personne.
par ce genre de personnes. Paul Biya a sa responsabilité. Mais lorsque tu connais la responsabilité de Paul Biya, Émile, j'ai été envoyé. Va dans Messenger. Émile, je t'ai envoyé un message dans Messenger. Tu prends d'abord, tu valides d'abord le message avant maintenant que tu appelles via Messenger. Laisse-moi, je t'appelle. Pas quand tu vas valider le. Envoie un message via Messenger. Comme ça, moi, je vais t'appeler. N'appelle pas, laisse-moi qui t'appelle. Voilà, en Messenger, tu vois, je t'ai envoyé un message. Écris seulement salut, moi, je vais t'appeler. Donc, voilà. Vous comprenez que lorsqu'on dit que les Camerounais de la diaspora, les Camerounais de la diaspora travaillent, n'appellent pas. C'est moi qui dois t'appeler. J'ai dit que n'appelle pas. C'est comment, non? Parce que quand tu appelles, ça va couper le volume. Je dis, n'appelle pas. Si tu appelles, le volume va partir. Tef Chaleur, il faut m'écrire là. Le volume est parti. Le volume est encore là. Ok. Je disais que lorsque tu prends la constitution du Cameroun, il faut qu'on commence à apprendre ça. Que chacun a une responsabilité. L'administration est une chaîne. L'administration est une chaîne. Et lorsque une chaîne, un maillon se coupe, la chaîne s'arrête. Ce que la chaîne entraînait, pour le moment, ça s'arrête. C'est exactement ça. Et chaque maillon a un rôle. Chaque maillon a un rôle. Moi, je préfère qu'on maintienne encore la double nationalité. J'ai jamais vu une jeunesse comme la jeunesse d'aujourd'hui, de la diaspora, où un vieux président est en train de lutter pour vous léguer toutes les institutions d'une souveraineté.
Un monsieur part à Paris s'asseoir, dit qu'il faut, il veut qu'on le reçoive au Quai d'Orsay. Monsieur, le Cameroun n'a pas tous ses éléments de souveraineté. Et c'est sur ça que le colon joue. C'est sur ça qu'il joue. Posez-vous la question. Comment est-ce que des gens n'ont pas pu construire les hôpitaux que le président Paul Biya est en train de construire là? Vous croyez que c'était laissé libre pour construire les hôpitaux? Monsieur, c'était interdit. Je dis c'était interdit. Ce que monsieur Biya est en train de construire là, l'hôpital de référence de Famulima, Bafoussam, Garoua, c'était interdit. Il fallait aller à l'heure actuelle. Monsieur Biya construit ça pour diminuer la facture des évacuations sanitaires. Parce qu'il y a un quota de malades que l'État du Cameroun doit évacuer. Évacuer ou pas évacuer, l'État français enlève l'argent dans le compte d'opération. Vous parlez de quoi? Je continue de dire, tant que nous n'allons pas comprendre ce que le vieux l'a fait, c'est quand il partira, je vous jure, les gens vont pleurer. Le pays, là va souvent faire même 6 mois sans salaire, 8 mois comme la RCA. Aïdjo n'a pas pu construire un stade de football. La réunification, il n'a pas fini. Le stade qui porte son nom, il n'a pas fini. Vous croyez que parce que ça plaisait le colon de construire le stade? Il y a certaines choses que je ne peux pas dire dans les directs. On va m'accuser de mettre les secrets d'État dehors. Il n'y a pas un pan de votre pays où il n'y a pas un accord. Il n'y en a pas. Que vous avez envoyé l'évacuation sanitaire en France ou pas, vous payez. Le français que nous parlons là, on paye. Il y a un temps qu'il faut se poser des bonnes questions. Mais vous voyez, au lieu qu'on se pose des bonnes questions, mais on s'entretue. Paraît-il, moi je parlais anglais, lui parlait français, on évente des femmes. Vous pensez que ces gens qui font ça là, pensez qu'ils ne sont pas télécommandés? Ils sont télécommandés. Il y a le commanditaire qui est là. Il l'observe. Je continue de vous dire, et je répète, Amadou Aïdjo a fait 25 ans. 25. Il a laissé l'hôpital colonial, la Kentini. Il a laissé l'hôpital colonial, central de Yaoundé. C'est les faits. Monsieur Biya tellement, il marche à côté de la corde, mais il s'arrange à ce que la corde ne rompe pas. Quand il ne sera plus là, que celui qui viendra derrière lui ne saura pas comment faire marcher sur la corde, tout en évitant à ce que la corde n'atteigne sa limite à l'élasticité, qu'elle se casse. Vous allez voir votre pays
Monsieur, un empire est en train de s'écrouler. Et cet empire refuse de s'écrouler seul. Quitte à massacrer tout le monde. Ils ne vont pas lésiner sur les moyens. C'est la vérité. Vous croyez que l'Occident est fier d'avoir créé la mondialisation? Et la mondialisation est allée en faveur de l'Asie? Vous croyez qu'ils sont contents? Détrompez-vous. Ils vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est ça qu'on vit. J'appelle Emile. Emile, je suis en train de t'appeler. Apparemment, ton téléphone sonne. Tu n'es pas en train de voir. Emile, je t'ai envoyé mon WhatsApp. Appelle-moi par WhatsApp. Il y a une chose qui est vraie. C'est que les gens pensent que le président Biya sera éternel au pouvoir. Moi, j'avais dit, le président Biya peut m'écouter. Qui meurt là-bas? Parce qu'après lui, après lui, je ne souhaite pas. Mais l'élite, assoiffée du pouvoir, qui pense que tout le monde peut être président. Mes chers amis, tout le monde ne peut pas devenir président. Si c'était ça, Aïssi Mvodo allait être président. Ou bien Ibo Samuel allait être président. Ce n'est pas tout le monde qui devient président. Mais c'est ça qu'on veut vous faire croire en Occident. Je vois des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle élection. L'élection la plus fiable, c'est l'élection dont le décomptage se fait à la main, comme en Inde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour ça que l'élection là-bas, ça fait un mois. On décompte, on décompte, on décompte, on décompte. On dit voilà les chiffres. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que l'outil informatique, ce sont des algorithmes. On fait ce qu'on appelle écrire les algorithmes et comment on peut les modifier en plein comptage.
Et on vient vous dire, mais c'est pour ça que M. Biya ne fait que refuser le vote électronique au Cameroun. Parce que M. Biya sait. Il sait que le vote électronique, c'est le vote qu'on truque le plus facilement. C'est pour ça qu'on est en train de conduire les pays africains vers le numérique. À chaque fois, on va les créer un blackout dans leur système, soit d'impôts, soit de pays, soit de machines. C'est pour ça qu'ils sont, en avance en train de créer les ingénieurs en cybersécurité, parce que c'est vers ce monde-là qu'on est en train de partir. Et à la Péwanais, c'est celui qui fabrique le virus, qui fabrique l'antivirus. Vous comprenez que quoi? C'est ça qu'on a appliqué au président américain Donald Trump. C'est ça qu'on va appliquer aux Français au mois de mars. La meilleure élection, le décomptage, c'est physique, pas l'ordinateur. Mais comme on a habitué aux gens à dire que non, 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 la meilleure élection, c'est celle qu'on donne les résultats maintenant. C'est faux. C'est vous, vous faire croire ça. Mais ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Le gouvernement fédéral canadien a dit, personne ne peut plus voyager si tu n'as pas de vaccin. Donc si tu n'as pas vacciné, tu ne peux pas sortir du territoire. Oui, allô? Non. Ouais. Ok. Je te mets en ligne. Bon. Ouais, ça marche. Tu es en ligne? Je peux. Voilà. Ma petite contribution, c'est quoi? Oui. C'est vrai que nous pensons tous au changement. Mais la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il y aura un changement pour le changement? Ou alors nous voulons un changement dans quelque chose qui sera continu pour l'évolution du Cameroun? Alors là, je souscris à ce changement. Mais quant à dire que le changement viendra de la diaspora, je dis encore non. C'est la mentalité de tous les Camerounais qu'il faudrait revoir. Et j'aimerais intervenir là par rapport à l'intervention de mon frère Terre Chaleur. Parce que lui, il voulait jeter l'opprobre sur une seule personne. Or, si nous voulons arranger les problèmes du Cameroun, ce n'est pas par rapport à jeter l'opprobre sur une personne. La stratégie qui est au Cameroun, nous tous, nous sommes responsables, chacun à son niveau. Claire. Ça veut dire que nous avons laissé les choses nous filer entre les mains. Obiya n'est pas le seul élu au Cameroun. Qui a les sénateurs, qui a les députés, qui a les maires, qui a les conseillers municipaux, qui a les conseillers maintenant régionaux. Ce sont des élus du peuple. Que chacun essaie de faire sa petite zone. Et comme ça, nous allons construire ce Cameroun prospère que nous appelons tous de nos voeux. Donc, c'est un peu la situation qui prévaut. Je suis arrivé au Cameroun aujourd'hui, et quand je constate ce qui est en train de se passer, je me rends compte que nous, au niveau de la diaspora, on se fait du mauvais sang, des fois pour rien. Mais oui. Et des fois, notre mauvais sang est justifié. Parce que les hôpitaux sont construits, les routes sont construites, les stades, ils sont construits. Tout ce qu'il faut faire pour un pays en émergence est déjà en place. Mais maintenant, est-ce que nous-mêmes, Camerounais, nous nous approprions de ces choses-là? Je répondrai non. Claire. Parce que chacun se comporte au Cameroun comme s'il était en voyage. Oui. Il oublie que c'est son pays. Et ça, c'est un problème qui nous met notre essor vers le développement.
Donc, c'était un peu ça ma petite contribution. Ok, merci. Voilà. Voyez-vous, il y a une chose que vous voyez tous les jours. Le président, la présidente de la République a un budget. Écoutez bien. Parce que lorsque vous voulez résoudre les problèmes et que vous voulez vous créer d'autres, la présidente de la République a un budget. Le président du Sénat a un budget. Le président est élu. Le président du Sénat est élu. Le président de l'Assemblée nationale a un budget. Ils sont élus. Quand on a ajouté les conseillers régionaux avec le président et le vice-président, je ne connais pas encore leur statut salarial. Le maire et les conseillers municipaux sont élus. 60 ans, le maire d'une ville n'a pas de salaire. Vous vous attendez à quoi? Vous pensez que les gens qui ont fait ça ne savent pas ce qu'ils ont fait? Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait? C'est maintenant que le président Biya vient de prendre un décret que les maires doivent être payés. Maintenant, allez donc voir sur lequel que a signé le président Biya. On a commencé à payer les maires. Je vous ai dit, c'est une chaîne. Le président Biya, dès qu'il signe un décret, ça part à l'administration. Ce n'est plus son travail de suivre, non! Parce que celui demandait de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Ce n'est pas son travail. Pas son travail. On va continuer le direct demain. Parce qu'on se prend demain. Bonne nuit à vous tous. Ton cas, c'est Africa numéro 1.